He lost our farm. The Lord, last Hallelujah. Night, as much as he lost his wife, this morning for us, the brother, Guy Olivier. Déjà que j'ai une grosse voix. Le son est trop. If the microphone is too loud, on va pas m'entendre. They won't hear me. Hallelujah. Hallelujah. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. C'est pour moi un privilège d'être là ce matin. It's for me a privilege to be here this morning. C'est une joie pour moi d'être au milieu de vous. To be here amongst you. Je vous aime. I love you. Et chaque fois que je dois prendre la parole devant vous, every time I have to take the word in front of you, c'est un challenge, c'est un défi à relever. It's a barrier to overcome. Parce que je sais que vous êtes because un peu privilégié. That you are privileged people. Et pour vous parler, c'est compliqué. And to speak to you is complicated. Mais ce matin encore, but par la grâce de Dieu, by the grace of God, je vais essayer de donner quelque chose. I will try to give something. Ancien, merci. Elder, thank you. Pour l'accueil que tu nous réserves à chaque fois que nous devons prendre la parole, you reserve for us every time we have to take the word, ça nous fait énormément de bien. It truly does us some good. Alléluia. Alléluia. Donc je voudrais ce matin bénir le nom du Seigneur pour ma vie, for my life, pour ce ministère, for this ministry, pour l'homme de Dieu, le pasteur Edmond, the man of God, the pastor Edmond, qui vraiment fait tout ce qu'il veut pour m'aider, to help me, à entrer dans ma destinée. To enter into my destiny. Je vous assure, I assure you, pour Dieu des hommes, that amongst the men, c'est pas facile. To be a coaching people, well, coaching men is not easy. C'est pas facile. It is not easy. Si tu n'es pas appelé à ça, if you're not called to do this, tu vas laisser tomber. You're going to give it up. Mais c'est quelqu'un que it is someone Dieu a équipé. That God has equipped. Il est patient. He is patient. Il a le cœur qu'il faut. And he has the heart that pour vous accompagner. To lead us vraiment on. Que Dieu le bénisse. So really may the Lord bless him. Alléluia. Alléluia. Ce matin, this morning, je voulais parler à quelqu'un. I wanted to speak to someone. Quand j'ai préparé ce message, when I was preparing this message, j'étais convaincu que I was convinced that c'est pas un message pour tout le monde. It is not a message for everyone. C'est pas un message it is pour not tout a le message monde. For everyone. C'est pour des personnes it is for the persons prédestinées à ça. Who are predestined for this. Et je pense que and I believe that tu es prédestiné à ça. You are predestined for this. C'est pour ça que le Seigneur veut que tu entendes ce message ce matin. Believe that you should hear this message this morning. Alléluia. Alléluia. Nous allons parler de la vie de quelqu'un. So we're going to speak of the life of someone. Quand pour la première fois, which when the first time, j'ai reçu un enseignement sur la vie de cet homme. The teaching on the life of this person. Un enseignement profond. It was a deep teaching. Ça a changé beaucoup de choses. It changed many things. Dans moi-même, ma façon de voir my way of seeing things, et dans ma marche avec le Seigneur. And in my walk with the Lord. C'est quelqu'un someone, parmi tous ceux dont la Bible parle amongst which are all the people that the Bible personnellement about, he personally a influencé ma destinée. Influenced my destiny. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais que ce soit le cas pour toi ce and matin. I would like it to be the case for you this morning as well. Amen. Je vais parler de Néhémie. I want to speak of Nehemi. Je vais essayer de parler de cet homme. I'm going to try and speak of this man. Il y a tellement de choses à dire sur lui. There's so many things to say on him. Que je vais essayer en 10 minutes. That I'm going to try in 10 minutes. De dire quelque chose to sur say something on Nehemi. Nehemi, son nom. His name. Son nom. His name.
signifie Dieu console. God consoles. Donc son nom en lui-même. So his name in itself est un programme. Is a program. Cherche à savoir. Look to learn. À connaître la signification. And know the meaning. Du nom que tu portes. Of the name that you carry. Ça va t'aider. It is going to help you. Si ce n'est pas le cas. If it is not the case. Faut changer. You must change it. Tu devras appeler par un autre nom. And say that you are called by another name. Voilà, c'est-à-dire tu mets un autre programme sur ta propre. Place another program upon your life. Donc Néhémie, son nom c'est Dieu qui console. His name means God that consoles. C'est un fils d'Israël. He is a son of Israel. Qui, au temps de la déportation, during the time of deportation, lorsque Israël, when Israel, a été attaqué par le royaume de Babylone, by the kingdom of Babylon, et donc ce royaume a détruit Israël, Israel, a détruit Jérusalem. Jerusalem. Même le temple, even the temple qui était dédié à l'Éternel, that was dedicated to the Lord, ce temple a été détruit. Temple was destroyed, les ustensiles, les objets sacrés, the sacred objects ont été emportés à Babylone. Were taken away to Babylon. Donc Israël n'avait plus de symboles. Israel had no symbols left. Jérusalem, la Jerusalem, ville, the life, the était city entièrement détruite. Was completely destroyed. Les murailles the étaient walls détruites. Were destroyed. Les portes de la ville avaient été mises city en feu. Doors were put out to fire. Jérusalem était donc en ruine. Jerusalem was in ruins. Et Néhémie, and Néhémie a été déporté, was deported à Babylone, to Babylon. Donc il était esclave. So he became a slave. Alléluia. Alléluia. Il était à Babylone. He was in Babylon. Il était esclave. And he was a slave. Je vous assure, I assure you, c'est pas facile. It is not easy de se retrouver to find en déportation. In deportation. D'être esclave. And to be a slave. Alors que on était peut-être parmi les privilégiés. We may have been part of the privileged ones before. Quand on était chez nous. When we were at home. Aujourd'hui. Today. Beaucoup d'entre nous. Many amongst us. Nous nous retrouvons ici. We find ourselves here. Chacun sait. Each person knows. Comment il est venu. How they got here. Mais j'aimerais que. I'd like. Tu te regardes. For you to look at yourself. Comme étant en mission pour le Seigneur. As being on mission for the Lord. Tu vas comprendre tout à l'heure. And you're going to understand later. Quand je vais te dire ce que Néhémie a fait par la suite. Néhémie did following on. Alléluia. Alléluia. Donc Néhémie, so Néhémie, par la grâce de Dieu, the grace of God, va se retrouver dans une position, find himself in a position, un peu d'aisance quand même. Une position privilégiée. A privileged position. Une bonne position. A good position. Dans sa déportation. In his deportation. Dans sa captivité. In captivity there. Il va se retrouver dans une bonne position. In a good position. Alléluia. Alléluia. Dieu God va permettre que Néhémie soit établi to be established dans le royaume de Perse. In the kingdom of Persia. Comme étant le chanson du roi. Being celui qui servait le vin au roi. The one who served the wine to the king. C'est lui qui mettait le vin dans and la coupe du roi. He was the one that filled the cup for the king. Donc il était en contact permanent avec le roi. Permanent contact with the king. C'est ainsi comme aujourd'hui. And that is how today. Tu étais à la Maison Blanche. You were at the. I was at the White House. Et c'est toi qui servais la table. You were at the White House and you were the one serving Barack Obama. The craft to Barack Obama. C'est un privilège. That is a privilege. Parce que tu parles avec le président tous because les jours. Because you're speaking with the president every day. Tu as même sa vie en main. You even have his life in your hands. Parce que le travail que Néhémie faisait. That Néhémie was doing. C'est lui. He qui veillait à ce que le roi ne soit pas empoisonné. To make sure that the king was not poisoned. Donc le roi avait du respect pour lui. The king had a respect for him. Néhémie était très à l'aise. Néhémie was very comfortable. Il n'avait rien envié à personne. Nothing to envy anyone. Mais cependant, but yet, cependant, yet, Néhémie avait une pensée. Néhémie had a thought pour ses frères, for his brothers, qui sont restés, who had stayed, à Jérusalem, back in Jerusalem, parce que Jérusalem, because Jerusalem, était en ruine, was in ruins, c'était la désolation, it was desolation, c'était le désespoir, it was desperation. Néhémie pouvait dire, and Néhémie could have said, par la grâce de Dieu, by the grace of God, je suis ici. I am here. J'ai pas de problème. I have no problems. Ce qui se passe en Jérusalem, happened in Jerusalem, ce n'est plus mon problème. Is no longer my issue. Dieu m'a envoyé ici. God has brought me here. Dieu m'a épargné. And he has spared me. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre nous, how many amongst us,
Nous réagissons quelquefois. We react sometimes. Amen. Tu pries. You pray. Tu demandes à Dieu de te bénir. Ask for God to bless you. Mais quand il s'agit d'intervenir, that you have to intervene, tu dis, je ne suis pas l'aîné de la famille. You say, well, I'm not the eldest in the family. Mais l'aîné en Allemagne. The eldest, he's in England or mais, Germany. Oui. Yeah. Ce n'est pas moi l'aîné. Yeah, I'm not the oldest. Pourquoi c'est moi qu'on doit appeler à chaque fois? Why do they have to call me every time? Mais donc prie pour que l'aîné soit béni. Well, so then pray for the eldest in the quand family. Tu pries, so when you pray, c'est pour que Dieu te bénisse. So that God can bless you. Dieu te bénit. And God blesses you. Mais quand il s'agit de poser des actions, but when you have to place the action, tu dis quelqu'un d'autre. You say, oh, go see someone else. Mais ton aîné que tu considères, but that eldest that you're considering, tu le considères comme aîné. You're the one considering him as the Dieu elder. Tu ne le vois même pas. God doesn't see this. Dieu ne le connaît même pas. God doesn't even recognize that. Quand il était question de choisir un roi, when is the meaning of choosing a king? Ils ont fait passer tous les frères de David. They passed all the brothers of David. Les fils d'Isaïe. The sons of Isaiah. Sur lesquels ils comptaient. On which they were counted. Ils ont tous fait passer. They were all passed over. Dieu dit. God said. Je les ai tous rejetés. I've rejected them all. Je ne les connais pas ceux-là. I don't know them. Il y a un petit. There's one young one. Allez me le chercher. Go get him for me. Parce que Dieu connaissait le cœur de David. God knew the heart of David. Dieu connaît ton cœur. God knows your heart. Si Dieu permet que tout soit centré sur toi, or everything be centered around you, c'est parce que Dieu connaît ton cœur. It's because God knows your heart. Amen. Dieu compte sur toi. God is counting on you. Aujourd'hui, today, il y a des gens qui sont dans ce pays. There are some people in this country. Ils se sentent même plus américains. Even more American. Que les Américains. Than the Americans. Pendant que les Américains. Yet the Americans. Payent des billets d'avion. They're purchasing plane tickets. Ils vont en Afrique. And they go to Africa. Pour chercher leurs origines. To find out their origins. Toi, tu es ici depuis seulement 2000. You're here for since 2000. Tu as déjà oublié. And you've already forgotten. D'où tu viens. Where you come from. Que Dieu nous fortifie. May the Lord fortify you. On va lire Néhémie 1. Let us read Néhémie 1. Verset 1, verset 4. Verse 1 to 4. Je parle à quelqu'un ce matin. I'm speaking to someone this morning. Alléluia. Alléluia. Néhémie chapitre 1. Néhémie chapter 1. Du verset 1 au verset 4. From verse 1 to 4. Voici ce que dit ma Bible. Here is what my Bible says. Parole de Néhémie, fils de Akalia. Of Néhémie, son of Akalia. Au mois de Kisleu, la 20e année. In the 21st year. Comme j'étais à Sousse. But when I was at Sousse. Dans la capitale. In the capital. Je vais rappeler que. I'm going to recall that. Sousse, c'est la ville où était aussi Esther et Mardochée. And Mordecai. Donc, si vous voyez so when you see l'histoire d'Esther, the story of Esther ressemble un peu that resembles à celle de Néhémie. At the one of Nehemiah, parce que Dieu avait mis Esther dans la royauté. God had put her in royalty, c'était pour une mission. And it was for a mission. Quand Dieu te met quelque part, and when God places you somewhere, c'est pour une mission. It's for a mission. La mission est plus grande. The mission is bigger que ce que tu crois. Than what you believe. Ce n'est pas pour que tu t'achètes une it's maison seulement. For you to just buy yourself a house. Ce n'est pas pour que tu aies une it's voiture. For you to have a car. Il y a quelque chose de plus there's grand. Something even bigger que Dieu attend de toi. God is expecting comme il attendait d'Esther. As he was for Esther. Je reviens à mon test. I come back to my test. Au verset 2. Verse 2. Hanani, l'un de mes frères, one of my brethren, et quelques hommes arrivaient de Juda. Came with men from Judah. Je l'ai questionné au sujet des Juifs, concerning the Jews, réchappés qui étaient restés who had escaped and survived de la captivité, captivity, et au sujet de Jérusalem. And concerning Jerusalem. Donc, Néhémie va voir ses frères qui venaient de Jérusalem. His brothers who were coming from Jerusalem. Il va vers eux and he goes towards them pour prendre des nouvelles. To get some news. Parce que pour lui, because for him, il sait que là où il est, that where he is, tant que ses frères ne sont pas bénis, lui, il n'est pas à l'aise. He's not comfortable. Il a le cœur qui bat pour ça. His heart beats for this. Néhémie n'est pas tranquille. Nehemiah was not comfortable. Il a tout ce qu'il veut. He has everything that he mais c'est dit, est-ce ça cela que le Seigneur m'appelle? Is this what God is calling me to? Il a une pensée pour ses frères. So he had a thought. He had thoughts for his brothers. Le verset 3. Verse 3. Ses frères lui répondirent. And the survivors answered. Ceux qui sont restés de la captivité. Those who stayed in captivity. Ils sont là dans la province. Are in the province. Au comble du malheur. And they're in great distress. Et de l'opprobre. And reproach. Les murailles de Jérusalem sont en ruine. The Jerusalem's are broken down. Et ses portes sont consumées par le feu. The gates are burned with fire. Lorsque j'entendis ces choses. So when I heard these things.
Je m'assis. I sat down. Je pleurais. I wept. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. And I mourned for many days. Je jeûnais. I was fasting. Et je priais. And praying. Devant le Dieu des cieux. Before the God of heaven. Voici l'attitude que Néhémie a eue. La Bible dit que Néhémie a commencé à intercéder. Il a commencé à prier et à jeûner pour son peuple. L'ambition que Néhémie avait en ce moment-là, ça dépasse ses ambitions personnelles. Going over what his personal ambitions were. Néhémie allait à un niveau avec Dieu. To a level with God. Il se positionne maintenant comme le scope étant le sauveur de sa nation. Savior of his nation. C'est comme ça que Dieu te regarde. And that is how God is looking at you. Comme étant celui qui va apporter being the one who's going to bring la solution. The solution. Alléluia. Alléluia. Dieu est prêt à tout God te donner. Is ready to give you everything. Mais qu'est-ce que Dieu gagne? But what is God winning? Dans ton affaire, qu'est-ce que Dieu gagne? In your business, what is God winning? Oh, il y a des petites choses qu'on cherche. Some small things that we're looking for. Évidemment, c'est important and pour nous. It's important for us. C'est important pour nous. It's important for us. Je commence à prier. Start to pray. Seigneur, il faut que je me marie. Lord, I must get married. Je dois me marier maintenant. To get married now. Seigneur dit, ma fille a trop prié pour ça. My daughter has prayed too much for this. Faut qu'elle se marie maintenant. She must get married now. Dans la période des fiançailles. During the engagement period. Pendant qu'on prépare le mariage. For the wedding. Là, on a deux jours maintenant. Tout est calé. 2 days to go. Everything is solid. Ta prière change. Your prayer starts changing. Mais ils vont me connaître. Well, they're gonna know me. Dès que je me marie. Once I'm married. Ils ne me verront plus. They won't see me anymore. Je ne suis même plus dans leur affaire. I'm not even in their things non. anymore. No. Amen. Mais si par malheur but même. If unfortunately. Pour ceux qui sont en face. For those who are in front. Que ton mari a un peu de moyens. And that your husband has a little bit of means. Ceux qui pensaient que tu allais faire une solution pour la famille. Those who thought you were going to do things mais for the family. Te connaître. Now I'm going to get to really know you. Amen. Ah non, chacun chez lui no. maintenant. Each person for themselves now. Moi, je suis marié, faut que je m'occupe de mon mari. I'm married, I need to take care of my husband. On ne te voit plus. And they don't see you anymore. Généralement, ça sont les femmes. Hein. Les hommes font pas ça. On the women, the men don't do that. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Mais je pense que ce n'est pas le cas. But I believe that it's not the case. Vous êtes des personnes que Dieu a préparées. You are persons that God has prepared. Et vous savez à quoi le Seigneur vous appelle. And you know what God is calling. Ce que je voulais te dire ce matin, so what I want to tell you this morning, c'est que tu n'es pas ici is that you're not here en vain. In vain. Dieu ne t'a pas choisi God has not chosen you dans tes frères, amongst your brothers, dans tes sœurs, and sisters, pour rien. For no reason. Tu as une mission accomplie. You have a mission to accomplish. Et Dieu te regarde. And God is looking at you. Dieu regarde ton attitude. God is looking at your attitude. Nehemiah. Il n'est pas resté insensible. Did not stay insensitive. Il a été profondément blessé. He was deeply hurt. Profondément attristé. Deeply saddened. Il ne s'est pas arrêté là. And he didn't stop there. Quand tu lis l'histoire, when you read the story, Néhémie est retourné à Jérusalem. Nehemiah returned to Jerusalem. Il a rebâti les murailles. And he built back the wall. Il était l'acteur principal. He was the main actor. Il n'a pas dit non. And he didn't say no. Comme j'ai un peu d'argent. Because I have a little money. On va trouver Francis. We're going to find Francis. Je vais donner un peu d'argent. I'll give him a little. Il ira le faire. And he's going to go do it. Moi, je suis déjà trop bien installé. I'm too set up. Je ne peux plus faire ça maintenant. I can't do this stuff anymore. Ma position est trop élevée. My position is too elevated. Je ne vais pas quitter la Maison Blanche. I can't leave the White House. Pour retourner à Abidjan. To return to Abidjan. Pour faire ça. To do this. Il faut trouver quelqu'un là-bas à Abidjan. You must find someone over there. Je vais avoir un peu d'argent. I'll send a little money. Pour qu'il le fasse. And they'll do it. Mais Dieu dit non. But God says no. C'est toi qui veux. He wants you. C'est pour ça. That is why. Qui t'a fait passer par tout ça. That he made you go through all of this. Qui t'a mis dans ta position. And he has placed you in a position where you are. Alléluia. Alléluia. Je vais pas parler de ce que Néhémie a fait, son attitude et tout ça. Nehemiah did and his attitude and all. Parce que comme je disais. Because as I was saying. Dans la vie de Néhémie. The life of Nehemiah. Il y a beaucoup de leçons à apprendre. There are many lessons to learn. Vous avez, quand vous allez lire le passage, read the passage, vous allez voir comment Néhémie s'est comporté. See how Nehemiah was behaving pour que son projet se réalise. For his project to succeed. Tu vas comprendre que dans la vie, in the life, quand tu as un projet qui vient de Dieu, il faut apprendre à te taire you must learn to be quiet sur le projet de Dieu. On the project of God. Ce n'est pas à tout le monde it's not to everyone que tu dis. That you tell this. Si quelqu'un a la même vision que toi, same vision as you, si tu es convaincu and you're convinced qu'il a la même mission que toi, he has the same mission as you, alors then tu peux lui expliquer. You can explain it. Alléluia. Alléluia. Et je fais partie de ceux. And I'm big part of those dans le cœur de who have the heart of Nehemiah. Ah, j'aime ma patrie. I
have my portion. J'aime l'Afrique. I love Africa. Et tout ce que je fais, and all that I do, je me dis, Seigneur, permets qu'un jour, I ask the Lord to bless me, allow me to be the solution pour ma nation, for my nation, et pour ma famille, and for my family, pour toute l'Afrique, for all of Africa, selon ce que tu vas vouloir faire, based on what you will want to do avec moi, with me. Bien-aimé, beloved, c'est à cela que vous voulez nous appeler. That is what we are que chacun se sente concerné. Each person feel their concern par les choses plus grandes. By bigger things. Depuis que tu es dans cette église, since you've been at this church, et tu vas poser la question, have you asked once, Seigneur, pourquoi tu m'as amené ici? Lord, why did you bring me here? Tu veux seulement qu'on prie pour toi? You just want people to pray for you? Pour que tu aies du travail? So that you can get a job? Pour que tu, je sais pas, pour que ton commerce marche? So I don't know, for your business pour que to tu work? Marie, or for you to get married? Pour que tu aies un enfant? Or for you to have a child? Mais qu'est-ce que but what tu proposes à Dieu? Do you propose to God? Qu'est-ce que tu comptes faire pour cette what communauté? What do you plan to do for this community? Qu'est-ce que tu penses what do you believe pour les hommes de Dieu? For the men of God? As-tu une fois prié pour un frère? You have once prayed for a brother? Intercédé en faveur d'un frère? In the favor of a brother? Ça, c'est trop nous demander. That is asking too much from you. Que Dieu nous aide. May the Lord help us. Avoir le cœur de Néhémie. To have the heart of Nehemiah. Et à être une mission. And be a mission. Comme le nom de notre église le dit. As our church indicates. Pour le monde. For the world. Que Dieu nous bénisse. May God help bless you.